Le SAMU social de Bruxelles tire la sonnette d'alarme. De plus en plus de Palestiniens qui ont fui Gaza viennent chercher refuge dans les centres d'abri d'urgence de la structure. Mais les travailleurs sociaux qui les encadrent se sentent aujourd'hui démunis pour gérer ces hommes seuls qui sont détruits psychologiquement. David Brichard et Johan Boy. Mohamed, un jeune Palestinien qui séjourne en ce moment au SAMU social, regarde en boucle cette vidéo reçue hier. On y voit des membres de sa famille emmenés dans un hôpital. Ils viennent d'être touchés par un bombardement à Gaza. Très loin de son pays et impuissant, Mohamed est KO psychologiquement. Dès que j'ai vu nos proches sur la vidéo, j'ai pleuré à cause de la situation. Quand j'ai vu mon oncle qui a 60-65 ans et qui a été touché, je me suis mis à trembler. J'ai eu peur. Même son fils, il a été touché au pied. On le lui a coupé. Ce sont des choses que tu ne peux pas t'imaginer dans ta tête. Nulle part, en fait. On dit merci à Dieu, mais... Les autres Palestiniens avec qui Mohamed partage cette chambre souffrent tout autant. Motaz, 28 ans, n'a plus de nouvelles de ses proches depuis des semaines. His life is dead. We don't know. You can't. Eating, don't drinking with my family's killing in war, in Gaza, in Palestine, every Palestine. Face à cette détresse humaine, les travailleurs de ce centre pour sans-abri ne se sentent pas outillés. Il faudrait ici plus de psychologues, de personnel formé pour les accompagner. Et puis ces Palestiniens ne peuvent en principe pas rester plusieurs jours ici. Mais pour éviter tout geste de désespoir, une solution provisoire a été trouvée. On a pris la décision de soutenir ces personnes à la semaine, ce qui bloque des places pour d'autres. Mais c'était à la fois pour la santé mentale de ces personnes qui sont très très fragiles et pour nos équipes parce qu'on ne pouvait pas continuer de cette manière-là. Pensifs, souvent allongés sur leur lit, ces Palestiniens ont pour la plupart introduit une demande d'asile. Mais faute de suivi de fait d'asile, tous veulent éviter de dormir dans la rue en venant ici. Ils représentent aujourd'hui un tiers des 300 personnes accueillies quotidiennement, des hommes seuls qui attendent des jours meilleurs, tant en Belgique qu'en Palestine.